Dernier petit. Voilà. Tu as trouvé? Dans la mairie du 14e, c'est Maris. Hein. Bonsoir, bonsoir. On va pouvoir commencer. Je vois que Karine Petit est connectée. Est-ce qu'elle veut dire un mot, Madame la maire? C'est la fille. Non, bonsoir tout le monde. Ben moi, je vais écouter très sagement et très sagement la conférence de Jean-Louis Robert. On est ravis de pouvoir être avec vous pour eh bien, apprendre et partager ce que la commune et ceux qui l'ont fait eh bien, nous ont voilà ce qu'on a on a encore beaucoup à apprendre de cette période historique. Le thème est aussi très bien choisi, je trouve. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui, depuis quelques jours, la mairie de Malakoff mettait aussi en avant eh bien, des artistes, l'aspect des artistes et la part que les artistes ont pris dans la commune de Paris. Et à l'occasion de ce 150e anniversaire, je trouve que c'est très bien de pouvoir mettre en avant cet aspect-là. D'autant plus que ensuite notre arrondissement, cette partie-là de Paris, le 14e, le 6e et le 15e, à d'autres moments de l'histoire, ont aussi, de par les artistes qui s'y sont retrouvés, qui sont venus, eh bien, ce sont des périodes qui ont toujours énormément compté dans l'histoire de notre arrondissement. Et je remercie beaucoup Jean-Louis Robert et puis l'association des Amis de la Commune de Paris pour tout le travail qui a été fait pour préparer cet anniversaire, et en faisant quelque chose qui n'est pas simplement dans la commémoration ou la mémoire, mais bien dans faire vivre les apprentissages de cette période historique absolument essentielle qui est inspirante, en tout cas encore de nos jours. Donc moi j'écoute et j'ai très hâte. Donc merci Jean-Louis. Merci. Je te souhaite une bonne connexion tout le long de... Ben, on n'est pas très loin là en fait. C'est vrai, oui, t'as raison, on aurait pu. Tu aurais pu venir regarder. On aura la même qualité de connexion. Je pense qu'on peut y aller, du coup, Jean-Louis, oui. Hein, je vous laisse la parole. J'y vais, là? Allez-y. D'accord. Très bien. Alors, je vais faire la tentative classique, hein, vous savez, qui consiste à partager l'écran, si vous en avez pas marre, des distanciels, comme un peu tout le monde, hein, j'imagine. Et il y a une petite... période où on fait alors je commence par un peu de musique, hein, qui va vous surprendre.
j'arrête. Bon, pourquoi je vous ai fait écouter cet air de cette immense chanteuse, une des plus belles voix du monde actuellement, Amel Brahim-Djellou, qui chante cette mélodie. Vous avez remarqué que les paroles étaient en français, mais les hymnes mauresques. Eh bien, si nous étions 150 ans avant, malheureusement, si nous étions dans la rue Bonaparte, approximativement ou exactement 150 ans, il y a 150 ans, l'auteur de cet air, Francisco Salvador Daniel, qui était le directeur du Conservatoire de la musique de Paris pendant la Commune, était fusillé par les Versaillais. Et donc j'aurai l'occasion de reparler de cette très grande personnalité, maintenant reconnue dans le monde entier, qui est Francisco Salvador Daniel, un communard, dont les chansons sont maintenant chantées, en particulier dans le monde arabe, et extrêmement connues de tous les musicologues. Voilà, donc c'était cette introduction pour parler des artistes. Je parlerai d'ailleurs des deux branches, que sont les artistes plasticiens et les artistes du spectacle, n'est-ce pas, qui sont les deux concernés. Alors j'espère que vous voyez bien mes diapositives maintenant, il n'y a pas de problème. Hein? Je vais me mettre en mode diaporama. Là, vous voyez mon diaporama? Très bien, Jean-Louis, très bien. Très bien, bon, merci. Donc, je vous donne là une bibliographie hein, pour commencer, qui sont... une thèse américaine, hein, donc qui n'est pas facile de se procurer évidemment, mais que vous pourrez voir si vous êtes intéressé. On peut la commander par internet. Le livre de Bertrand Trillier, qui est surtout intéressant par le travail qu'il a fait sur l'extrême difficulté d'avoir représenté la Commune, plutôt après la Commune. À représenter la Révolution, en faire des tableaux, des images diverses, et puis des travaux plus centrés sur la période même de la Commune et des arts que j'ai fait dans deux livres, dont le récent livre de Michel Cordillo, la référence du travail. Et j'ai consacré aussi une bande dessinée qui s'appelle Rouge Estampe, où on voit des artistes communards qui agissent dans le 14e arrondissement. Alors pourquoi c'est intéressant d'étudier les artistes dans cette période de la Commune de Paris? Vous savez que c'est une période je ne vais pas vous la présenter, mais je vous rappelle quand même très rapidement, si certains d'entre vous ne sont pas au courant encore, que donc du 18 mars au 28 mai, Paris est une ville libre qui va se diriger et qui va instaurer des formes de démocratie, une république démocratique et sociale qui résonne encore de nos jours. Donc, je ne peux pas traiter de ce sujet parce qu'il est beaucoup trop long, mais il faut quand même rappeler que tout ce que je vais dire se passe dans ce contexte très particulier et en même temps dans un contexte relativement court où les choses sont souvent esquissées, commencées, plus qu'évidemment achevées et développées. Donc, la part des idées est souvent moins aussi importante que la part des réalités de ce qui a été vraiment pu faire pendant la Commune. Alors les artistes, ce qu'il y a d'intéressant dans ces artistes, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments. Le premier, il me semble le plus original, c'est que dans les deux cas, plus fortement chez les artistes plasticiens que chez les artistes du spectacle, on va avoir des formes de ce qu'on pourrait appeler un socialisme autogestionnaire ou en tout cas une forme d'autogestion avec un poids très fort de l'association, et l'association c'est un peu le modèle principal de la société que rêvent les communards, presque libertaire par certains côtés. Et en même temps, en parallèle de ça, on voit des éléments de démocratisation de la culture, d'éducation aussi, qui sont extrêmement importants pour ces communards artistes.
Autre point que je voudrais signaler, c'est que le groupe des artistes lui-même est très intéressant parce que il est extrêmement divers. C'est un groupe social qui va, et donc il ne faudra pas s'attendre à des attitudes communes de la part des artistes. Ça va de l'extrême pauvreté, encore maintenant, mais à l'époque aussi, de l'extrême misère de l'artiste quasiment dans la rue, hein, à l'extrême richesse. Hein, je ne le dirai pas, mais ce que gagne une cantatrice au XIXe siècle, ce sont des sommes fabuleuses, pas loin de ce que peut gagner un richissime homme d'affaires, donc, ou les très grands peintres, pareillement. Donc, c'est un milieu, les artistes, qui va vraiment de l'extrême pauvreté. Alors, ça, dans ce sens-là, c'est un groupe médiateur qui est très intéressant parce qu'il touche à la grande bourgeoisie et quasiment à l'humpen prolétariat de l'autre côté. Alors pour la simplicité de cet exposé, je distinguerai les artistes plasticiens, sculpteurs, etc., des artistes du spectacle, et il faut quand même rappeler que leur situation n'est pas la même pendant la Commune et même depuis, pendant la période du siège, parce que les artistes du spectacle, si là on voit la question immédiate de comment vivre, dépendent, on voit ça actuellement par certains côtés, dépendent terriblement d'avoir du travail immédiat, c'est-à-dire des salles de spectacle, des cabarets, concerts, pour ceux qui sont là, mais, ou des salles de musique, ou des salles de théâtre, il n'y a pas de cinéma, qui fonctionnent. Donc, ils sont dans une situation qui peut être très dure, dès lors que pendant le siège et pendant la Commune, les choses sont très difficiles à faire fonctionner. Alors qu'évidemment, les artistes peintres, les artistes sculpteurs, ils ont très peu de commandes, mais ils ont un rythme de travail qui est totalement différent dans la façon d'être que les articles du spectacle. Donc là, certaines différences vont être sensibles à cause de cet aspect-là. Alors, je vais d'abord commencer par la situation d'avant la Commune en rappelant un certain nombre de faits. Avant la Commune même, ce qui domine, je dirais au moins dans les grands salons, ce sont qu'on appelait les académistes et l'académisme. Donc, ce sont des très grands peintres. Hein. Il ne faut pas dire que ces peintres ne comptent pas. Cabanel, Bougereau, Jérôme, ce sont des peintres qui ont une très grande valeur artistique, mais qui ont tendance à faire des tableaux souvent mythologiques ou historiques des périodes les plus anciennes, ou quand ils traitent un peu quelque chose d'un peu réaliste et extrêmement affadi. Voilà, par exemple, typiquement, ce tableau de Cabanel qui ressemble parfaitement avec ses qualités très grandes, mais qu'on peut ne pas aimer aussi. Il y a des gens qui détestent cette peinture, il y a des gens qui la trouvent très belle. C'est la liberté des goûts. Mais voilà la naissance de Vénus, qui est typiquement un tableau qui représente cette peinture académique du Second Empire. Et ce tableau qui est de 1863, il est d'ailleurs acheté par Napoléon III au Salon. Donc voilà, c'est ce genre de peinture que la grande bourgeoisie impériale, tous ceux qui s'enrichissent dans cette période de fort enrichissement, aiment. Et ils sont d'ailleurs, quand on examine leur habitat, ils habitent les arrondissements, des beaux hôtels particuliers, dans des arrondissements du 8e arrondissement, par exemple, dans les quartiers riches, les plus riches de la rive droite, hein, en général, 8e, 16e, un peu moins. Voilà, donc c'est un autre monde, ils exposent au salon officiel et il y a ce côté. Et de l'autre côté, alors là, c'est moi que ça sonne, c'est toujours le coupable, c'est celui qui parle. Ces tableaux, à côté, vous avez au contraire, en extrême opposition, alors je fais face à l'extrême bout, comme je l'ai dit, vous avez les artistes, qu'on appelait les rapins, c'est-à-dire les artistes les plus pauvres qui sont dans des situations dramatiques, peut-être de bohème aussi, parce qu'ils sont souvent jeunes, hein, donc les difficultés, vous connaissez tous la chanson d'Aznavour, hein, évidemment quand on est jeune, c'est peut-être un peu plus facile d'être dans la misère, mais quand même, vous voyez là ce tableau de Tassaert, où il monte lui-même son atelier. Tassaert, un peintre pas très connu, mais assez reconnu quand même maintenant, hein, qui est mort d'ailleurs
en se suicidant dans les années 1870. Il avait son dernier atelier rue du Château. Il était dans une telle misère qu'il a choisi de se suicider dans les années 1870, dans son petit atelier. Vous voyez qu'évidemment, ce contraste absolu, aucun meuble, on voit les traces de la misère, les difficultés à s'acheter même de la peinture. Voilà, donc c'est un contraste extrême. Et tous ces peintres, souvent jeunes, mais même parfois certains ne percent pas et restent dans cette situation, évidemment, ils ne vont pas habiter les mêmes quartiers que nos artistes précédents. Ils vont habiter des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on les voit d'ailleurs se déplacer sous le Second Empire en suivant la migration qui commence de la population pauvre de Paris, des quartiers du centre vers les quartiers périphériques. Et on voit ces peintres commencer à escalader la butte Montmartre. Hein, ce n'est pas encore la grande période, mais on voit les premiers qui montent sur Montmartre, qui commencent à s'installer sur la Montmartre. Et au contraire, au sud, on les voit commencer à arriver vers Montparnasse, notre quartier à nous. Alors, on voit que c'est très intéressant parce que ces jeunes peintres, il leur faut des jeunes sculpteurs qui n'ont pas exactement les mêmes problèmes pour les ateliers, mais qui connaissent les mêmes problèmes. Donc, ils vont partager la vie du peuple par certains côtés. Ils vivent la même géographie et ils se connaissent. Et aussi, bien souvent, pour vivre, ils vont se mettre à faire des métiers d'art qui vont les rapprocher des ouvriers de métier. Ils vont se faire peintre sur porcelaine, peintre sur verre, peintre de décor, ou alors ils vont faire sculpteur sur bois. Ils vont se mettre à faire ces ouvriers d'art qui sont très proches, vous le voyez, des ouvriers de métier. On a là des limites qui sont très légères. On peut, par exemple, citer le cas d'Eugène Potier. Eugène Potier, le célèbre auteur de l'International, qui n'est pas encore composé à cette époque. Il va composer les paroles juste après la Commune. Et Eugène Potier, qu'est-ce qu'il est, Eugène Potier, avant d'être élu d'ailleurs membre de la Commune? Eugène Potier, il est dessinateur sur étoffe. Vous voyez, dessinateur sur étoffe, c'est typique de ces métiers qui sont des métiers d'art où on est parfois salarié d'ailleurs, parfois à son propre compte. Hein. Eugène Potier, là, il est au moment de la Commune son propre patron. Il a un petit atelier dans le sentier, lui. Donc voilà, on a tous ces métiers qui contrastent avec la fête impériale. Hein, on est dans tout à fait quelque chose de différent. Et puis alors, il y a des entre-deux. Hein, alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez entre les deux, évidemment, toute une gamme à laquelle je mettrai volontiers Courbet. Et ces gens-là, comme Courbet, qui sont quand même déjà bien reconnus et qui travaillent déjà bien. Et Courbet, d'ailleurs, il a son atelier. Alors là, c'est tout le milieu qu'on pourrait cerner autour des Beaux-Arts, du 6e arrondissement, où se concentrent beaucoup de ces peintres. Lui, il a son atelier juste rue de l'école de médecine, rue de Feuille, Courbet. Voilà, donc on a quand même une fresque sociale qui est très différenciée. Mais à côté de cette fresque sociale, donc, il y a aussi des questions qui envoient beaucoup plus à la question de la peinture ou de l'art en général. Et parce que la fin du Second Empire voit s'opposer des courants qui sont très très sévèrement séparés. Il y a des révolutions, si vous voulez, qui sont en cours. Les unes sont déjà pas mal avancées, la première et la deuxième est vraiment à son début. La première, qui est déjà commencée en fait sous la Seconde République, et sur laquelle, bien sûr, je reviendrai à un moment, c'est celle qui est conduite par Courbet, c'est-à-dire l'école réaliste. Hein. Comme disait Zola, que je cite, l'art chez nous est tombé des hauteurs du mensonge dans l'âpre recherche du réel. Voilà, hein, et on est au contraire, vous voyez, de la peinture mythologique euphémisée, au contraire, hein, il s'agit de montrer la dureté de la vie telle qu'elle est,
Courbet est le maître de cette école réaliste, qui est déjà, qui n'est pas nouvelle, mais qui peine encore à s'implanter. Ce n'est pas une école réaliste qui est mécanique. Hein. Courbet ne fait pas non plus de l'art social strictement, mais c'est un débat qu'on pourrait avoir dans la discussion si vous le voulez. Donc, à côté de ça, il y a une nouvelle révolution picturale qui commence. C'est ce qui se fait autour de ce tableau-là, célèbre, très célèbre, que certains, beaucoup d'entre vous, doivent connaître, de Fantin-Latour, qui est un tableau de 1870, qui s'appelle l'atelier des Batignolles, qui est l'atelier de Manet. Et là, vous voyez Manet qui est en train de peindre, et il est entouré de la plupart des grands artistes de ce qui n'est pas encore appelé, mais qui le deviendra après la Commune, l'école des impressionnistes. Hein. Et là, vous pouvez reconnaître sur ce tableau Monet, qui est totalement à droite, un peu discret, barbu, mais aussi Zola, hein, qui a son, normalement, Renoir, qui a son chapeau au milieu du tableau, et quelques autres qui sont là. Et vous avez cette école des impressionnistes, dont je ne vais pas vous parler, parce que ce n'est pas le sujet de la période, ce sont des peintres plus jeunes, qui ont une trentaine d'années, et qui... tente d'imposer une nouvelle façon de la peinture et qui rentre également en conflit très sérieux avec la peinture académique. C'est là qu'il faut rappeler le célèbre épisode du Salon des Refusés de 1863 où 3000 tableaux ou sculptures sont refusés sur 5000 qui avaient été demandés et ces refusés dont le tableau très célèbre de Manet, les chefs-d'œuvre, qui est le déjeuner sur l'herbe, est refusé comme trop laid ou trop choquant. Et ces peintres vont organiser à partir de 1863 ce fameux salon des réfugiés où ils viendront faire un contre-salon par rapport au salon officiel. Salon qui est d'ailleurs toléré et donc où on va retrouver... tous les impressionnistes qui vont être présents. Donc il y a aussi un conflit sur l'art qui est sensible. Et ce conflit sur l'art se double de problèmes de reconnaissance, mais aussi de problèmes politiques. En 1867, il y a un tableau qui est refusé de Manet également au salon officiel. C'est ce très très célèbre tableau. Il en a fait d'ailleurs deux versions. Mais celle-ci était extrêmement provocante, qui est l'exécution de Maximilien. Maximilien, qui, vous savez, était ce pauvre prince autrichien que nous avions envoyé au Mexique pour être empereur du Mexique contre la révolution démocratique mexicaine. Et ça se termine très mal. Et il est fusillé par les républicains du Mexique. Et donc Manet a l'audace, une très grande audace, de faire en 1867 deux tableaux d'ailleurs. Celui-là est particulièrement provocant parce que il avait fait une première version où on voit ce sont des Mexicains qui exécutent avec des habits de Mexicains, etc. Et là, ils sont déguisés en chasseurs impériaux. Hein, donc, comme s'il faisait peser encore plus directement la responsabilité du crime sur Napoléon III. Donc là, ce tableau est évidemment interdit. Donc il y a un conflit aussi de liberté de l'art qui se passe. C'est un conflit sur le style, si on veut, sur l'esthétique, mais aussi un tableau sur la liberté de l'art. Et beaucoup d'artistes plasticiens veulent cette liberté de l'art, veulent la fin de cette tutelle de l'État bonapartiste, disons, sur l'art. Bon, on ne pourra pas étant y revenir, mais il y a aussi toute une influence qui remonte hein, à la Grande Révolution sur ces jeunes artistes des années 1860-1870. La Grande Révolution était très proche. Hein, ça faisait une soixante.
80 ans, c'est pas loin. Hein. C'était encore très, très brûlant. Donc, voilà les circonstances hein, qui sont à la fois sociales et politiques par la liberté et artistiques dans lesquelles ces peintres sont extrêmement mobilisés, beaucoup mobilisés contre l'Empire, sauf ceux des académiques que je vous ai évoqués tout à l'heure. Ce qui est frappant, c'est que effectivement beaucoup d'artistes plasticiens, sculpteurs ou autres peintres, ont participé à la Commune. Alors il ne faut pas généraliser, tous les artistes de Paris n'ont pas participé à la Commune. D'abord, évidemment, ceux qui étaient liés à l'Empire ont rejoint Versailles et n'ont pas participé du tout, mais aussi beaucoup des artistes impressionnistes n'ont pas participé à la Commune. Beaucoup avaient quitté Paris, d'ailleurs, avant le premier siège par les Prussiens, c'est-à-dire en août-septembre, au début de la guerre 1870, au début de la guerre avec la Prusse, avant que Paris soit victime d'un terrible siège pendant plusieurs mois. Et beaucoup ont quitté Cézanne et reparti à Aix, Monet est parti à Londres, Pissarro est parti à la campagne, quelques-uns étaient restés, mais dès l'armistice qui a lieu en janvier 1871, ils ont quitté Paris parce que le siège avait été épuisant et par exemple Manet part à Arcachon. Ça explique d'ailleurs que beaucoup de ces artistes, pendant la Commune, reçoivent des nouvelles de Paris qui sont totalement effrayantes. Et les premiers textes que Manet écrit sur la Commune, ce sont des textes où il dit mais qu'est-ce qui se passe à Paris Les criminels ont pris le pouvoir, voilà, parce qu'ils ne reçoivent quasiment que la presse versaillaise. Mais on verra que Manet a beaucoup changé d'avis quand il est revenu à Paris. Bon, en plus, certains étaient là encore à Paris, mais n'ont pas participé parce qu'il faut voir que pour certains de ces peintres, la seule chose qui les intéresse de fait, et comme ça, c'est naturel, c'est la peinture. Et donc, même pendant la Commune, la seule idée qu'ils ont, c'est de peindre. Et même si c'est difficile, c'est leur vie. Quoi. Donc, on a des grands absents, mais quand même, on a énormément d'artistes plasticiens qui vont s'engager. Pour être clair, ce sont certainement des centaines d'artistes qui vont participer par des façons très différentes à la Commune de Paris. Je pense qu'il faut attendre mai 68, pour retrouver un tel engagement des artistes dans une action politique. Vraiment, c'est une période tout à fait exceptionnelle de ce point de vue. Alors, ces artistes, ils ont été aussi beaucoup critiqués. De la part de Versailles, hein. C'est-à-dire qu'on en a fait souvent, Versailles en faisait une image c'était obligatoirement des artistes ratés. Voilà, hein, l'artiste communard, c'est un raté. Les communards, ce sont des voyous, les communards, ce sont des prostituées, et évidemment, les intellectuels ou les artistes qui participent sont des ratés, des déclassés, des aigris. Voilà, mais on verra que c'est loin d'être le cas et que beaucoup des artistes qui ont participé à la Commune étaient reconnus. Alors, dans l'engagement dans la Commune, il y a deux types. Il y a ceux qui vont plus dans le politique, disons, et il y a ceux qui vont plus dans le corporatisme et dans le sens positif de corporatisme, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de l'art pendant la Commune. Et Courbet faisant exceptionnellement le lien entre les deux, puisqu'il fait et le politique et l'artistique. Mais c'est un artistique qui a un contenu très politique, comme vous verrez. Alors, premier niveau qu'on peut évoquer, évidemment, ce sont les élus même à la Commune. Vous savez que la Commune, le 26 mars, les Parisiens vont élire à une assez forte majorité une Commune le 26 mars. Il y aura eu finalement 80 élus, puis il y aura eu des élections partielles le 16 avril
Et c'est là d'ailleurs que Courbet est élu à la commune, il est élu dans cette deuxième série d'élections. Et ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est de constater que sur les 81 élus, nous trouvons 8 artistes plasticiens au sens large du mot, ce qui est tout à fait quand même exceptionnel. Je ne sais pas si vous imaginez que sur les 478 députés, il y avait 50 peintres, sculpteurs et autres à l'Assemblée. C'est tout à fait étonnant, mais c'est une période exceptionnelle. Rappelons aussi que sur les 80 élus, il y a 30 ouvriers, c'est-à-dire un pourcentage qu'on ne retrouvera jamais dans aucune de nos assemblées. Bon, là, je crois qu'on est au record du plus faible taux. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un ouvrier actuellement dans notre Assemblée nationale. Alors que là, avec 30 ouvriers sur 80, on a un pourcentage tout à fait exceptionnel. Donc, on a des élus, et ça montre que ces peintres, hein, pour être élus, ils ont quand même été proches du peuple, qu'ils ont participé pendant le siège à la vie sociale, qu'ils ont participé au combat avec la garde nationale, et donc ils sont connus et reconnus. Ils ont participé aux clubs, aux assemblées populaires pour être élus. Il ne faut pas sortir de rien. Alors bien sûr, le plus connu, c'est Courbet. Je n'y reviens pas. Dans le 14e, nous avons eu 2 peintres élus sur 3 élus de la commune, ce qui est tout à fait exceptionnel. Hein. Et voici Billoret, qui était membre du comité de salut public. C'était un peintre qui avait été exposé au salon de réfugiés et que les Versaillais traitaient de nul. C'est très difficile de retrouver malheureusement des tableaux de Billoret. Si quelqu'un en a, je suis partant pour en avoir un. Il a été ensuite déporté. Il a été extrêmement courageux parce qu'il était tuberculeux. Il a refusé d'aller en prison. Il a préféré être suivre ses camarades en déportation. Et il est mort 1 an après son arrivée de Ftizi à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. L'autre peintre, c'est Jules Barthelet. Alors Jules Barthelet, peintre déjà plus connu à l'époque, et qui lui aussi sera déporté. Il a beaucoup joué, beaucoup travaillé, lui, à la mairie du 14e arrondissement. Hein. Il était très intéressé par l'action municipale locale. Son retour de déportation, il est vraiment un des fondateurs du socialisme dans le 14e arrondissement. Il est le héros d'un roman de Lucien Descaves qui s'appelle Philémon, le vieux de la vieille. Lucien Descaves, un grand écrivain du 14e arrondissement et un grand romancier, et il avait fait de Martelet un héros de ses romans. Voilà, donc on voit le poids que prennent les peintres dans certains. Il y en avait aussi dans le 18e arrondissement, évidemment, qui était également élu. Autre engagement très important, c'est dans la garde nationale. Les peintres fournissent. Alors, la garde nationale, qu'est-ce que c'est? La garde nationale, normalement 200 bataillons, normalement 200 000 hommes, mais ils ne sont pas toujours là. Bien entendu, c'est beaucoup plus complexe. Ce sont les Parisiens mobilisés qui vont participer à la défense de Paris pendant le premier siège et qui vont faire l'essentiel de l'insurrection le 18 mars. Hein. Ce sont eux, avec les femmes de Montmartre, qui vont faire l'essentiel de l'insurrection le 18 mars. Et ces bataillons à la commune, il faut rappeler que tout est élu. Donc, les officiers des bataillons de la garde nationale sont élus, jusqu'au colonel qui commande une légion qui correspond à peu près à l'ensemble des bataillons d'un arrondissement. Donc, tous les officiers sont élus et c'est très intéressant de se rendre compte qu'il y a un nombre considérable d'artistes qui sont élus officiers des bataillons, qui sont commandants, capitaines de ces bataillons de la garde nationale. Là encore, ça montre la façon dont ils étaient écoutés et présents dans l'action populaire de l'époque. Alors, il y en a un qui est particulièrement intéressant, qu'il faut quand même évoquer, c'est Lucien Henry. Lucien Henry, lui,
il avait 21 ans et il a été à 21 ans élu colonel, c'est-à-dire chef de la 14e Légion. Il commandait tous les bataillons du 14e arrondissement à 21 ans. C'est quand même tout à fait impressionnant. À 21 ans, alors il avait été déjà assez actif dans les clubs, il était encore très jeune, hein, il travaillait chez les... il était en apprentissage chez les peintres, il était modèle en même temps pour vivre dans les académies, il se faisait modèle pour gagner un peu d'argent. Et il est donc élu colonel à 21 ans, mais il faut toujours rappeler qu'une révolution, bien sûr, c'est un énorme appel à la jeunesse. Hein. Tous ceux que je vous évoque, Ray, ont dans les 30 ans. Hein. La moyenne d'âge des élus à la commune, c'est à peine plus que 30 ans. Hein. C'est un moment de l'insurrection, comme pendant la première grande révolution. Une révolution, c'est toujours un immense appel aux jeunes. Là, exceptionnellement jeune, avec Lucien Henry. Alors, Lucien Henry a été fait prisonnier assez tôt, d'ailleurs, et il a été également déporté en Nouvelle-Calédonie. Et après la Nouvelle-Calédonie, il est devenu un artiste très, très célèbre en Australie. Il est un des artistes les plus connus, on ne connaît pas nous très bien l'art pictural australien. Il est devenu un grand artiste très connu en Australie. Il a des expositions. Il a peint l'hôtel de ville de Sydney dans les années 1880, mais il est revenu mourir en France à Saint-Léonard de Noblat. Donc, vous les voyez, hein, à tous les niveaux, on va trouver des officiers. Certains, comme Lucien Delorme, ont été fusillés par les Versaillais. Alors, ils ont d'autres fonctions dans les mairies. Voici Lucien Capellaro, qui était un grand sculpteur très connu à l'époque. Un peu moins maintenant, mais enfin suffisamment connu pour avoir encore des sculptures de lui au Petit Palais, où je vous recommande d'aller les voir, qui est un grand sculpteur reconnu du 19e siècle. Donc Lucien Capellaro, qui était fils d'immigrés italiens, il y a pas mal d'immigrés dans la commune, et ce Lucien Capellaro, qui était donc un grand sculpteur, était membre de la mairie communarde du 11e arrondissement. Il n'a pas été élu, mais il y avait des gens qui faisaient fonction de travaillé dans les mairies, et il est particulièrement connu pour avoir organisé la crémation de la guillotine devant la statue de Voltaire, qui n'est malheureusement plus devant la mairie du 11e arrondissement, mais c'était un grand acte symbolique de la part de la commune que d'avoir brûlé la guillotine, en tout cas les bois de la guillotine, parce que c'était une forme symbolique de critique de l'inutilité, de la dureté de la peine de mort. Même si dans les circonstances où ils étaient, mais c'est un autre problème, il n'était pas question de supprimer la peine de mort. Donc voilà Capellaro. Donc ils ont été aussi très très nombreux dans la police. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Rouge Estampe, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, avec un commissaire de police communard peintre, dessinateur, parce que beaucoup d'artistes, ça peut paraître étonnant, ont été commissaires de police pendant la Commune, hein, et qui donnent un bon contingent. Vous voyez là le très, très célèbre caricaturiste Pilotel, hein, qui était un des grands caricaturistes du 19e siècle, partisan de la Commune, qui s'était un peu auto-désigné, parce qu'il y avait quand même pas mal d'anarchie à certaines périodes dans la commune, c'était un peu auto-désigné commissaire de police, et alors il s'était mis ostensiblement revolver, comme ça, dans la photo qu'on faisait de lui, et puis il avait l'écharpe rouge pour signaler qu'il était un officiel. Bon, il a été révoqué après par la commune, mais... Beaucoup de ces artistes s'engagent là, et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, même le numéro 2 de la police de la commune, le premier s'appelait Raoul Rigaud, qui était vraiment une sorte de préfet de la commune, le numéro 2 qui a été chef de la sûreté de la commune, s'appelait Philippe Catelin, c'était un des plus grands graveurs de Paris, hein, qui est nommé chef de la sûreté, qui avait d'ailleurs tout un plan
pour faire une police en faveur des plus pauvres. Le fonctionnement de la police est très particulier pendant la commune, puisque vous voyez que toute la police a disparu pendant la commune. Hein. Il n'y a plus aucun commissaire, il n'y a plus aucun sergent de ville, il n'y a plus aucun policier professionnel présent. Ils sont tous partis à Versailles où ils se cachent. Hein. Donc il faut tout remplacer et on les remplace par des gens qui n'ont aucune expérience et qui vont essayer de faire fonctionner cette machine. Mais c'est un autre problème. Donc les voilà, ils ont beaucoup donc d'engagement, c'est même le principal engagement de centaines de ces artistes dans toutes ces fonctions, à la garde nationale, combattants, ils vont mourir pour se battre, ou des fonctions civiles et, ou politiques. À côté, évidemment, ben voilà, je vous ai montré aux estampes, vous voyez la BD avec ce commissaire de police qui va enquêter sur des meurtres pendant la commune. Alors à côté, vous avez l'action, on va appeler corporatiste, mais qui n'est pas corporatiste dans le mauvais sens du terme, mais qui est l'action qui s'intéresse d'abord à la situation des arts et des artistes. Et avec cette fédération des artistes qui va être créée avec un rôle tout à fait central, et je veux y insister, par Courbet. C'est lui qui vraiment a le rôle de cette fédération. On ne peut pas parler trop longuement de Courbet. Le voici photographié au moment de la commune. Alors, il faut imaginer la déferlante d'images, par contre, sur Courbet, hein, qu'il y a eu pendant la commune, évidemment. Et le voici caricaturé, je vais y revenir après. Il y a un nombre incroyable de caricatures qui circulent sur Courbet avant, pendant et après la commune. C'est une personnalité médiatique évidente de la période. Donc Courbet, ce qui est très intéressant chez Courbet, c'est que il était très proche, oula, j'appuie sur mes boutons par erreur, il était très proche de Proudhon. Alors peut-être parce qu'ils étaient pays, vous savez qu'ils sont tous les deux de la Comtois, de la Franche-Comté, et peut-être ça les a rapprochés, mais il y a d'autres raisons. Et il a toujours été très très proche de Proudhon. Il y a une correspondance très intense entre Courbet et Proudhon sur l'art social, et Proudhon a beaucoup influencé le socialisme de Courbet. Et Courbet a peint Proudhon. Vous pouvez voir un très beau tableau de Courbet représentant Proudhon au Petit Palais qui est exposé. C'est un tableau extrêmement intéressant aussi par sa symbolique. Donc, il représente Courbet, et Courbet va développer un socialisme que je peux, si je retrouve la situation, je peux vous le donner, qui est un socialisme où toute la part est faite à l'individu. Donc, l'individu et la justice sociale. Voilà, ce sont les deux maîtres mots qui vont caractériser ce socialisme de Courbet. Il avait commencé dès 1848 d'agir d'ailleurs dans ce sens, mais ensuite, il a, pendant l'Empire, été obligé un peu de changer. Voilà ce qu'il écrit quand il est candidat en avril 1871 à la Commune. Ça vous donne bien une idée de Courbet. Je me suis constamment occupé de la question sociale et des philosophies qui s'y rattachent, marchant dans ma voie parallèlement à mon camarade Proudhon. J'ai lutté contre toutes les formes de gouvernement autoritaire et de droit divin, voulant que l'homme se gouverne lui-même selon ses besoins, à son profit direct et suivant sa conception propre. Voilà l'idée de ce socialisme très basé sur l'individu et la liberté, mais du socialisme aussi. Donc Courbet va être élu à la commune. Il va, avant même son élection à la commune, lancer, il avait déjà présidé les artistes pendant le siège en essayant de sauvegarder les tableaux des bombardements prussiens, donc en les mettant en sécurité, les tableaux des musées, du Louvre, etc. Et il avait organisé toute cette action pendant le premier siège, celui par les Prussiens. Et il va, le 6 avril, lancer un grand appel aux artistes de Paris, qui sont parisiens, pour s'organiser. Je cite, « Aujourd'hui, j'en appelle aux artistes.
J'en appelle à leur intelligence, à leur sentiment, à leur reconnaissance de Paris qui les a nourris comme une mère et leur a donné un gîte, c'est un peu optimiste. Les artistes doivent à cette heure, par tous leurs efforts, concourir à la reconstitution de l'état moral de Paris, au rétablissement des arts qui en font la fortune. Il est de toute urgence de rouvrir les métiers, les musées, de songer à une exposition prochaine, que chacun dès à présent se mette à l'œuvre et les artistes des nations amies répondront à notre appel. Adieu le vieux monde et sa diplomatie. Et on voit que c'est une conception très internationale. Cette conception très internationale qu'a Courbet de l'art, on l'a retrouvée dans quelque chose qui lui sera énormément reproché. Et on voit ici Courbet avec le pied sur la colonne Vendôme. On a évidemment cet épisode très célèbre et il est vrai que Courbet, il n'a pas voté d'ailleurs le décret de chute de la colonne Vendôme puisque ce décret a été voté avant le 16 avril alors qu'il n'était pas encore élu. On ne peut pas lui faire retomber tout dessus. Mais il est vrai que pendant le siège, par les Prussiens, Courbet avait eu le courage de s'adresser aux artistes allemands et voici le texte qu'il avait écrit que je trouve magnifique. Donc il s'adresse aux artistes allemands et il leur demande de faire une œuvre commune qui serait sur, qui remplacerait la colonne Vendôme. Voilà ce qu'il écrit. Laissez-nous vos canons Krupp. Nous les fondrons avec les nôtres ensemble. Le dernier canon, gueule en l'air, coiffé du bonnet phrygien, planté sur un piédestal acculé sur trois boulets, ce monument colossal que nous érigerons ensemble sur la place Vendôme sera notre colonne, à vous, à nous, la colonne des peuples, la colonne de l'Allemagne et de la France à jamais fédérée. Il faut quand même du courage en octobre 1870 pour écrire un texte de ce type et cet appel qui est vraiment anticipateur hein, de l'amitié entre les artistes donc, qui devaient dresser ensemble, allemands et français, une colonne à la place de la colonne Vendôme, considérée comme une artiste, comme une œuvre, une colonne dédiée à la gloire impériale et aux batailles, alors que là, ce serait une colonne dédiée à l'amitié des peuples. Donc, on lui a énormément reproché ça. Il a été condamné pour ceci à des sommes exorbitantes qui a traîné jusqu'à la fin de sa vie. Alors, parmi les autres artistes qui ont joué un rôle important dans la Fédération des artistes, je ne peux absolument pas tous les citer. Il y a le grand sculpteur Dalou qui fera une grande carrière surtout après la Commune, qui est extrêmement actif pendant à la Fédération des artistes. Et vous savez qu'il a fait des grandes sculptures monumentales à Paris. Hein, et vous pouvez aller là encore au Petit Palais, musée de la ville de Paris, extrêmement précieux pour tout ça, où vous pourrez voir cette sculpture hein, qu'il avait appelée Le Travail, qu'il n'a malheureusement jamais pu achever, et qui représentait, vous voyez, tous les métiers. Donc Dalou est un grand artiste qui joue un rôle considérable dans la Fédération des artistes. Voilà Capellaro, voilà une des œuvres dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Voilà Arnaud Dubec, qui était à l'époque un peintre extrêmement connu. C'est intéressant parce que vous voyez là la butte Montmartre en 1870, hein, vue du nord, pas vue du sud, hein, mais vue du nord. Hein, donc totalement non bâti encore, ce qui expliquera la facilité avec laquelle d'ailleurs l'armée versaillaise reprendra Montmartre, parce qu'en fait il n'y a pas de défense de Montmartre par le nord de Montmartre. Voilà Hippolyte Dubois qui est un des grands artistes du 19e siècle. Beaucoup de ces artistes ont eu leur carrière totalement brisée par la Commune. Hein. Après, pour trouver des commandes, c'était devenu extrêmement difficile, mais c'est des très grands artistes connus. Et je vous en montre un. Il y a eu énormément d'architectes également qui ont été membres de la Commune de Paris. Il y a une commission des architectes à la Commune qui est très, très importante, qui fait beaucoup de travail, qui d'ailleurs dénonce, trouve pas très beau les immeubles haussmanniens parce qu'ils les trouvent trop rigides. Bref, il y a beaucoup d'artistes. Et le principal de ces artistes s'appelait Lucien Boileau. Il avait pourtant contribué à la construction du Bon Marché, à des grands bâtiments de l'Empire, signe de cette grande apparition des grands magasins
sous l'Empire, et ensuite il est l'auteur d'un grand hôtel parisien, bien après la Commune, puis c'est lui qui a construit l'hôtel Lutetia de Paris, qui a été construit par un communard. Vous voyez, donc c'était dans tous les domaines des artistes d'importance qui étaient extrêmement, extrêmement connus et reconnus à leur époque. Donc j'ai parlé de l'influence de la Révolution française, il s'inspirait en partie de la Commune des Arts qui avait eu lieu pendant la période de la Grande Révolution, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, ils vont créer cette fédération des artistes progressivement. Il y a toute une suite de réunions. Je passe, vous voyez que la Commune autorise le citoyen Courbet à réunir les artistes. Ils vont, dans le but d'ouvrir les galeries, c'est une de ces affiches que la Commune mettait partout dans Paris, ils vont ouvrir les galeries au public, ils vont y travailler. Et ils vont se réunir pour élire des délégués qui vont diriger cette fédération artistique. Donc le 13 avril, ils vont élire un comité, il y aura des statuts qui vont être mis et cette fédération des artistes va agir. Alors ce qui est cette fédération va avoir un certain nombre de principes absolument essentiels qu'il faut maintenant présenter. La principale, c'est la liberté totale de l'art. Donc, vous voyez, libre expansion de l'art, ce sont des extraits de l'époque, dégagés de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège. Fondamentalement, l'art doit être libre. Je peux citer un autre texte du même genre, l'abandon radical du principe autoritaire qui était l'essence même de l'ancienne administration des beaux-arts. Donc, l'art doit devenir totalement libre, l'État ne doit plus intervenir directement dans l'art, qui doit se gérer, je vais y revenir tout de suite après, tout seul. Alors ça va se sentir également, par exemple, dans les Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts est en fait supprimée, elle est occupée par les jeunes artistes, d'ailleurs, dans la période, et elle est de fait supprimée. Et on décide que l'éducation des nouveaux artistes, ils auront le choix entièrement libre de leurs professeurs et qu'il faut, je cite, ça indique bien l'esprit, supprimer toute direction officielle imprimée au jugement de l'élève. Donc voilà, le jeune artiste doit garder sa pleine liberté d'orientation. Donc voilà, ça c'est fondamental pour eux, ce point de vue. Autre point de vue essentiel pour eux, c'est qu'il doit y avoir un gouvernement de l'art par les artistes. C'est à la fédération qu'est confiée seule la gestion de l'art, le gouvernement du monde des arts par les artistes. Voilà quelque chose d'absolument central. Et c'est un peu comme si on décidait que le ministère de la Culture actuel, c'était une commission d'artistes qui allait le diriger, une commission d'artistes élue par une assemblée générale d'artistes. Donc vous voyez quelque chose de tout à fait, une forme d'autogestion, on peut dire, par les artistes des arts. C'est eux qui vont donc désormais gérer les musées, donc c'est eux qui vont, la conservation des trésors du passé, c'est essentiellement la gestion des musées. Ils vont prendre la direction des musées, et ils vont remplacer même un petit peu aux grandes dames les conservateurs de musées. Ils vont mettre en œuvre, ils veulent mettre en œuvre en lumière tous les éléments du présent. Ça veut dire organiser des expositions, mais des expositions qui vont être démocrates. Et ils veulent une régénération de l'avenir par l'enseignement en développement partout dans les écoles, sous des formes d'éducation populaire, l'enseignement de l'art. Alors, j'insiste sur la façon dont ils conçoivent les expositions. Je le dis rapidement, mais ces expositions sont totalement gérées par les artistes. Ce sont eux-mêmes, il n'y a plus de commission qui sélectionnerait les artistes. Ce sont les artistes eux-mêmes qui choisiront les œuvres qui seront exposées. Ce sont les artistes eux-mêmes qui géreront toute l'exposition. Et dans l'esprit un peu égalitaire, même très égalitaire de la Commune, par exemple, en seront bannis tout prix. Voilà, et on a toute une série d'éléments qui vont dans ce sens-là que je n'ai pas le temps de développer.
Enfin, il y a un point qui est très important pour eux, c'est que cette culture se diffuse partout, surtout. Et il y a ce paragraphe qui dit qu'il faut que jusqu'aux mairies des plus humbles communes de France, le comité, ce ministère géré entièrement par les artistes, concourra à notre génération, à l'inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l'avenir et à la République universelle, jusqu'aux plus humbles communes de France. Donc il faut que le luxe communal, pour eux le luxe communal c'est l'art, aille jusque dans les plus humbles communes de France, et ce n'est pas quelque chose qui doit être réservé à Paris. Donc il y a aussi un sentiment de diffusion territoriale qui est très important chez eux. Donc, l'égalité des droits, bon, je passe là-dessus, et je vais arriver maintenant aux artistes du spectacle. Les artistes du spectacle vont être également très nombreux à la commune. Alors tous, il y aura des artistes de tout style, des chanteurs, des comédiennes, des comédiens, des musiciens, des compositeurs. Ils vont être très nombreux, avec une spécificité, c'est que pour eux, il s'agit beaucoup de trouver du travail qui les motive. Je peux en évoquer quand même quelques grandes figures. Alors là, à la différence des artistes plasticiens où à l'époque, il y a encore très peu de femmes, même s'il y a eu quelques femmes à la Fédération des artistes, on ne les voit que très peu. Dans les artistes du spectacle qui vont participer à la commune, on va trouver des femmes qui vont jouer des rôles importants. Je vais en citer deux. Madame Agar, que vous voyez ici, qui était une des plus grandes tragédiennes de son temps, considérée presque comme l'égale de Sarah Bernhardt, d'ailleurs avec laquelle elle a joué juste avant la commune une pièce de François Copé, et elles avaient joué ensemble à la Comédie Française cette pièce. Elle était une très grande tragédienne, et elle va pendant la commune participer à ces grandes représentations culturelles aux Tuileries en particulier, mais il y en a eu beaucoup plus au profit des blessés, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc elle joue ce rôle, elle y dit des poésies, elle y dit des extraits de pièces, et elle va avoir sa carrière entièrement brisée. Elle est chassée de la Comédie Française, on ne lui donne quasiment plus de rôle après 1871. L'autre qui est très connu, c'est, vous la voyez ici, c'est Rosa Bordas. On l'a rappelé souvent, on l'appelait parfois la cigale rouge parce qu'elle était d'Avignon. Elle avait chanté aussi à Marseille d'abord avant, comme souvent dans un itinéraire de beaucoup d'artistes méridionaux, de venir monter à Paris. Et la cigale rouge, la Rosa Bordas, c'était vraiment l'Édith Piaf de la période. C'est une chanteuse énormément connue, extrêmement populaire, qui était dans tous les cabarets, cafcons de Paris, extraordinairement applaudie. Et donc, elle participe à la commune très activement dans les grands concerts des Tuileries, mais d'autres aussi, où on joue et où on fait des représentations. Je montre celle-ci. Je rappelle, alors elle venait souvent drapée de rouge, qui est la couleur du drapeau de la commune, bien sûr. Et elle chantait les chansons, mais la principale chanson, il ne faut pas l'oublier, la principale chanson de la commune, c'est certainement pas l'internationale qui n'existe pas à l'époque, la principale chanson qui est chantée systématiquement et reprise en chœur par tous ses assistants, c'est la Marseillaise. La Marseillaise, c'est le chant de la commune. Elle chante aussi, à vrai dire, la canaille, chant qui indique c'est la canaille, et bien j'en suis, qui indique quand une sorte de réponse aux accusations en assumant qu'on est avec le peuple. Mais surtout, elle chante la Marseillaise ou alors le chant du départ.
vous savez que cette salle des Tuileries, donc ce fut un grand moment parce que c'était une période où le peuple s'appropriait la salle principale, le palais de l'empereur. Et là, elle chantait salle du trône à l'emplacement où était le trône de Napoléon III. Et il faut imaginer que la salle était environnée de grandes banderoles où était écrit « Peuple, tout l'or qui t'environne hein, », parce que toute cette salle était, toutes les statues, tout ça était couvert d'or, « Tout l'or qui t'environne t'appartient, tu l'as payé de ta sueur ». Donc il y avait vraiment un moment de réappropriation sociale et culturelle dans ces grandes manifestations aux Tuileries. Et bien sûr, ça explique aussi en partie l'incendie des Tuileries, le sentiment que le peuple avait pu occuper ce bâtiment et qu'on ne pouvait plus le rendre à la fin de la Commune. Donc voilà, la Rosa Bordas qui a été extrêmement active et qui aussi a vu sa carrière totalement brisée par cette participation à la Commune de Paris. Il y en a eu d'autres, je vous ai montré justement Salvador Daniel, que j'évoquais tout à l'heure. Salvador Daniel, qui était un très grand compositeur, originaire de Montpellier, Francisco Salvador Daniel, il était compositeur, pianiste, mais aussi il a fait l'anthropologie, beaucoup d'anthropologie, et il s'était, ou de musicologie, entre les deux si vous voulez, et il s'était spécialisé dans la musique berbère, kabyle, algérienne. Il avait beaucoup de qualités. Il a composé énormément d'airs de musique. Soit il reproduisait les airs de musique arabe ou kabyle, soit il retravaillait ses airs en mettant des paroles, celles que vous avez entendues tout à l'heure. C'est un très grand répertoire qui est souvent joué maintenant de la musique de Francisco Salvador Daniel. Et il avait aussi fait tout un travail immense sur un carnet, parce qu'il dessinait très bien, de tous les instruments de musique arabe. Alors, vous voyez ici un de ces instruments. Et c'est lui qui a été nommé par la Commune directeur du Conservatoire de musique de la ville. Il avait tout un projet d'éducation musicale, mais malheureusement, il est pris par les Versaillais dans sa maison et il est exécuté dans la rue Bonaparte. Bon, il y a beaucoup d'autres, hein, parmi des pianistes extrêmement célèbres du 19e siècle qui participaient à la Commune. Alors, il y a également des tentatives plus organisées. Il va y avoir deux tentatives organisées principalement, une à l'Opéra. L'Opéra qui n'est pas l'Opéra actuel car il n'était pas encore achevé, c'était l'Opéra rue Le Pelletier. Il était presque fini, mais pas entièrement fini en 1871, le nouvel opéra. Et il est créé une commission par la Commune qui va gérer l'opéra. On nomme un nouveau directeur de l'opéra, et voilà ce que ce directeur va dire aux artistes, mais aussi à l'ensemble des personnels de l'opéra, ce nouveau directeur. Je veux réaliser le rêve que nous tous, les artistes, avons constamment caressé, celui de travailler un peu pour nous, au lieu d'user notre vie et notre talent à faire la fortune des directeurs. Et donc l'opéra devait organiser une grande représentation musicale le 23 mai, mais évidemment les Versaillais sont rentrés et n'ont pas pu. Alors, attention, là encore, des chanteurs et des cantatrices importants de l'opéra ont absolument refusé cette révolution qui s'était produite à l'opéra. Et puis, il y a aussi une fédération des artistes qui va se développer, artistes du spectacle, qui va jouer un rôle dans l'organisation que j'évoquais tout à l'heure des représentations. C'est elle qui fournit les artistes de ces grandes représentations, de ces grandes représentations populaires. Alors, on peut dire aussi des mots de beaucoup d'autres aspects de la musique populaire pendant la Commune. Je pourrais répondre à vos questions éventuellement sur les musiques des bataillons, par exemple, les fanfares des bataillons qui jouent aussi un rôle dans la Commune très important. Je voudrais quand même terminer cet exposé par
un décret extrêmement célèbre qui est pris à l'extrême fin de la commune, qui est un décret lancé par la commission de l'enseignement dirigée par Édouard Vaillant. Édouard Vaillant avait exigé que les théâtres reviennent désormais à la commission de l'enseignement. Sous l'Empire, les théâtres dépendaient de la police qui exerçait une surveillance. La commune décide que c'est la délégation de l'enseignement qui va désormais avoir les théâtres dans son champ, et la commune va voter 2 jours avant sa fin. C'est assez incroyable de penser que 2 jours avant l'entrée des Versaillais, les élus de la commune passent plus d'une heure à discuter des théâtres et de la situation des théâtres. Il y a une longue discussion sur le sort des théâtres, qu'est-ce qu'il faut faire pour le théâtre, etc. Très très longue discussion qui débouche sur ce décret. Les théâtres relèvent de la délégation de l'enseignement. Toute subvention et monopole des théâtres sont supprimés, sur cette idée qu'il ne faut pas de monopole, pas de centralisation. La délégation est chargée de faire cesser pour les théâtres le régime de l'exploitation par un directeur ou par une société et d'y substituer dans le plus bref délai le régime de l'association. Donc, les théâtres privés, parce que la quasi-totalité des théâtres sont privés, ils sont socialisés par ce décret. C'est un des plus socialistes de la commune, mais vous voyez qu'il est socialisé. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au début, ils sont socialisés, mais ils ne sont pas étatisés, parce que bien sûr la commune n'est pas nationale, ils ne sont pas non plus municipalisés. Ce qui aurait été dans l'esprit trop déjà étatique qu'ils soient municipalisés. Ils sont transformés en associations. C'est l'association, comme dans l'ouvrier, c'est les ouvriers, c'est le modèle du socialisme qui est dominant dans l'esprit des communards. Hein. C'est une forme de généralisation de l'association partout, dans les théâtres, mais aussi, on pourrait le voir, dans le milieu ouvrier, qui est le modèle rêvé par les communards, mais un modèle qui n'essaime pas de lui-même. C'est là qu'il y a une différence avec Proudhon, parce que Proudhon pensait que cette forme d'économie sociale et solidaire, en quelque sorte, si on veut, ces associations, ça essaimerait d'elles-mêmes en faisant un peu d'éducation en plus. Là, ça ne vient pas seulement par un essaimage, c'est le petit État communard qui prend la décision de généraliser ou de soutenir, lorsqu'il ne socialise pas, ce qui est le cas général, ce régime de l'association. Donc, ce grand décret qui donnait la gestion des théâtres, on devait donc ensuite, j'ai les circulaires, hein, on devait réunir les artistes des théâtres et des compagnies pour qu'ils prennent la gestion des théâtres en main. Voilà, alors je n'aurai pas le temps de traiter de la caricature qui est extrêmement abondante pendant la commune. Hein. C'est un mode très très important d'action politique. Hein. Vous voyez là une caricature de Klein anti-tiers. Voilà, il y avait des caricatures pour les communards, anti-communards. Par contre, là vous voyez une caricature où on représente un communard assis sur du pétrole avec la réputation de l'incendie de Paris. Donc, il y avait beaucoup de caricatures qui étaient omniprésentes dans la commune. Je pourrais répondre à des questions, mais je ne veux pas être trop long. Il y avait également un autre support d'image que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qui est très, très important, qui était la photographie. Alors, c'est une photographie qui est très particulière parce qu'on ne peut pas faire de photographie du mouvement à l'époque. Hein. C'est très lourd de se déplacer avec, il faut que les gens posent. C'est souvent des photomontages, mais celle-ci est très belle. Et on y voit un des canons de la butte Montmartre avec 2 gardes nationaux. Mais la plupart des photos de la commune qu'on a, ce sont des photographies qui ont été faites, des photographies d'identité. Vous connaissez les photos de Louise Michel, par exemple, des prisonniers de la commune, ou alors des reconstitutions totalement artificielles. Mais on a quand même quelques très belles photos de la commune qui
qui existait, mais ce n'était pas facile, évidemment, en pleine guerre civile, de se déplacer avec un appareil photo. On pouvait être suspecté vite d'espionnage. À côté des caricatures, il y avait des dessins. Alors, en voilà un qui se trouve au musée Carnavalet. J'essaye que... Je crois qu'il va être inauguré demain matin. Si j'avais du courage, j'irais à l'exposition pour faire pression, pour qu'on montre les magnifiques dessins de la commune qu'ils ont. Là, vous voyez ce magnifique dessin souligné hein, à la gouache d'un jeune artiste espagnol qui s'appelait Daniel Vierre et qui représente une femme à l'hôtel de ville le deuxième jour de la commune, donc ça devait être le 19 mars 1871. Et vous voyez qu'elle est habillée d'un uniforme de garde nationale. Les femmes ont pris le costume de la garde nationale, pas toutes, mais un certain nombre, et même ont combattu. On voit d'ailleurs que son uniforme est un peu trop grand pour elle, et donc elle a dû, vous voyez, un peu raccourcir son pantalon en bas. Mais on est le 19 mars 1871, et elle a délibérément une écharpe blanche, parce que le 19 mars 1871, les fédérés qui sont au pouvoir à l'hôtel de ville veulent absolument signifier qu'ils veulent faire une révolution non violente. L'idée de la commune étant de faire une révolution qui sera après le 18 mars pacifique, et qui n'était pas révélée exacte. Donc on a aussi toute une série de dessins qui mériteraient d'être exposés, sortis de certains cartons. Et puis on a eu après la commune des très nombreux peintres qui ont tenté, mais c'était difficile, de représenter la commune, notamment les exécutions. Voilà Manet, qui est revenu à Paris pendant la semaine sanglante, hein, et donc on dit qu'il a vu à l'extrême fin de la semaine sanglante les exécutions sommaires, et il a fait plusieurs représentations de ces exécutions sommaires. Et vous voyez que ce tableau n'est pas sans rappeler celui de l'exécution de Maximilien dans sa composition. Bon, il y a également eu Maximilien Luce, qui n'a pas été communard, il n'avait qu'une dizaine d'années pendant la commune, mais c'était un gamin de Paris qui a vu les drames et qui a, bien après, hein, il a attendu 1909 pour faire des tableaux représentant la commune, tellement peut-être c'était dur, très vite après, de parler de ces événements qu'il avait vécu, mais c'est un très beau tableau de ces exécutions sommaires. Je termine en disant d'ailleurs que justement les artistes plasticiens et aussi beaucoup d'artistes du spectacle manifestent encore de nos jours toute une tradition de lien avec la commune de Paris. On va en citer deux exemples. Vous savez, par exemple, l'affiche qui a été réalisée pour le 150e anniversaire de la commune a été réalisée par Ernest Pignon-Ernest, mais beaucoup d'autres artistes plasticiens participent à ce 150e anniversaire par des initiatives très diverses. Et il était très significatif que pour le film, de très beau film sur les damnés de la commune, auquel j'ai un peu participé, eh bien, que vous avez vu sur Arte, lorsque les artistes ont été sollicités pour donner leur voix aux différents personnages, ils ont tous accepté d'enthousiasme à participer à ce film très, très beau. Donc, on a toujours eu un lien très sensible des artistes plasticiens et des artistes du spectacle à la Commune de Paris. Voilà, je vous remercie. Je vais vous rendre la parole. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, pour refaire quand même la publicité, pour citer du coup ce dernier livre, Rouge Estampe, aux éditions Stenkis, qui va sortir, et vous annoncer prochainement une exposition dans les bibliothèques Benoît de Groux et Aimé Césaire, de quelques panneaux liés à la sortie de ce bouquin. Vous retrouvez les informations sur le site de la mairie du 14. On peut passer aux questions, si vous le voulez. Pour
poser une question, vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main » que vous avez normalement, je vais arrêter le partage, que vous avez normalement dans « Réaction » tout en bas de votre écran. Alors, je ne sais pas si vous me transmettez les questions, comme ça je... Ouais. Vous les lisez ou vous les transmettez, ou alors ceux qui parlent, je les entendrai. C'est ceux qui ont envoyé par la discussion, vous pouvez me les lire comme ça. Alors, on n'a pas de questions dans la discussion. On a une réaction, je crois, de Gérard Ledet, c'est ça ? Oui. Ouais. Oui, je voulais oui, ça marche. Oui. Je voulais d'abord remercier Jean-Louis et Robert pour ce panorama absolument passionnant de bout en bout sur les rapports entre la commune, les artistes et les arts. C'est pas toujours l'angle que l'on choisit et c'est un peu dommage. Et je trouve que ce soir, Jean-Louis, tu as comblé bien des manques sur la compréhension de la commune. Et on a là quelque chose de vraiment très, très important. En t'écoutant, j'avais une question qui m'est venue. Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je la pose quand même. On a bien senti que pour ces artistes, ce qui était fondamental, c'était au fond l'art et la culture pour tous. Et qu'il y avait un grand souci de démocratisation. Tu as bien montré que dans leur tête, ça allait jusque dans le moindre village français, que la décentralisation culturelle, le mot n'existait pas, la chose encore moins, eh bien, devait aller jusque-là. En t'écoutant, je me suis posé une question, c'est est-ce que ces artistes, ou Édouard Vaillant, qui était donc délégué à l'enseignement, ont produit des textes mettant en évidence le rôle de l'art et de la culture pour l'enfance, pour les programmes, pour l'école, qui n'était pas encore, bien sûr, l'école laïque obligatoire, etc., mais qui était pour eux dans leur modèle d'école. Est-ce qu'il y a ce souci-là et puis peut-être des premiers principes qui sont actés pour que l'art et la culture soient partie prenante complète de l'éducation du jeune enfant? Alors là, oui, il n'y a aucun doute que et la Fédération des artistes, alors il y en a deux, la Fédération des artistes du spectacle, pas du spectacle, des artistes plasticiens, la Fédération Courbet, alors je vais passer assez vite parce qu'à un moment j'ai vu que je commençais à être un peu long. Il y a une grande partie de leur texte qui est consacrée à l'enseignement. Et ils veulent absolument que les arts soient intégrés dans l'école primaire. Parce que bon, pour eux, évidemment, c'est l'école primaire encore qui est centralement l'école qui compte, mais pas seulement. Donc, c'est pour eux extrêmement important, y compris, et je vais aller un petit peu plus loin, donc ils commencent à recruter, ils font un appel pour recruter des professeurs d'art qui vont envoyer dans les écoles. Donc, ils commencent le processus, alors c'est le ministère de la culture, mais ce sont des artistes je signale d'ailleurs au passage quand même, parce que on dit souvent Courbet président des artistes, mais en fait à la commune on n'aime pas trop les permanents, les chefs permanents, hein. Là, il y a peut-être des élus qui m'entendent, mais bon, je rappelle qu'à la commune le principe, c'est toujours la rotation des tâches. Donc, à la commune, on change constamment les délégués, etc. Je rappelle qu'il n'y a pas eu, on ne peut jamais dire qui est le chef de la commune de Paris. Parce qu'il n'y a même pas eu du président de la commune. Ils n'ont pas voulu, absolument pas voulu qu'il y ait un président de la commune. Ils ont exprès décidé que le conseil de la commune, c'est 80 élus qui se réunissaient d'ailleurs tous les jours, on changerait le président à chaque séance. Donc à chaque séance, c'est un nouveau président qui préside la commune et qui est en charge de l'animer, de transmettre les dossiers, etc. Alors il y a une préparation par un secrétariat, mais et dans les arrondissements, c'est pareil, il n'y a pas de maire d'arrondissement pour la commune, il n'y a que des commissions communales, pas de maire, ni de maire de Paris, ni de maire d'arrondissement, ni de président de conseil municipal. Voilà, donc, parce que tout est
par principe collectif à la commune. Il n'y a pas eu de président, il y avait une commission des Beaux-Arts, de ces artistes qui géraient ce ministère. Ce qui était, à l'époque, il n'y avait pas de ministère, hein, encore. Il venait juste d'être créé le ministère des Beaux-Arts, mais enfin, ce n'était jamais qu'une petite direction des Beaux-Arts qui était installée au Louvre. Et donc, ils ont commencé à recruter des professeurs d'art plastique, mais aussi de musique, et à les envoyer dans les écoles. Mais les écoles avaient beaucoup de mal à fonctionner. On est en pleine guerre civile, n'oublions pas, il y a des bombardements, ce n'est pas du tout une période extrêmement facile. Mais en tout cas, ils sont extrêmement attachés. Et même au-delà, parce qu'ils ont des projets très importants, pour eux, c'est très important, d'enseignement professionnel. Pour les communards, l'enseignement parce qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi sur les lycées, les universités. C'est un peu loin de leur monde quand même, hein. Donc, par contre, l'enseignement professionnel, c'était pour eux très important. C'était beaucoup d'ouvriers, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et pour eux, l'enseignement professionnel était essentiel. Et leur conception, c'est ce qu'ils appellent, pas eux tout seuls, hein, c'est ce qu'ils appellent l'enseignement intégral. Cet enseignement intégral, y compris dans la professionnalisation, et ils défendent les écoles professionnelles, ils créent des écoles professionnelles d'ailleurs pendant la commune, y compris pour les filles. Donc, il doit y avoir systématiquement à côté de l'enseignement professionnel une part considérable donnée à l'enseignement culturel. La culture, d'ailleurs, donc ça, c'est extrêmement important pour eux. Alors, il y a d'autres aspects qui sont assumés par la culture, mais moins directement par les artistes, par exemple. Évidemment, il y a d'autres phénomènes. Bon, en même temps, n'exagérons rien. Il n'y a pas non plus complètement une révolution culturelle pendant la commune. J'ai dépouillé les programmes J'ai la liste des 150 pièces de théâtre, parce que quand même les théâtres ont plus ou moins fonctionné, les 150 pièces de théâtre qui ont fonctionné pendant... Il y a une vingtaine de théâtres, une quinzaine qui fonctionnent quand même pendant la commune, difficilement, même la Comédie française, elle joue un peu. C'est quand même massivement du boulevard, hein, qui se joue pendant la commune de Paris. Hein, c'est Les Amours de Lucienne des choses comme ça qui se jouent dans les théâtres pendant la commune. Et je parlais des représentations aux Tuileries. J'ai trouvé les programmes des 22 grandes représentations que la commune a fait au Théâtre Lyrique, aux Tuileries et dans d'autres lieux. C'est un mixte, c'est-à-dire qu'on y joue du Weber, on y joue du Molière, mais on y dit une poésie de Victor Hugo. Mais on va y jouer aussi la fanfare d'un bataillon, on va y jouer une musique gaillarde, il va y jouer la Marseillaise ou le chant du départ, donc de la musique patriotique. Les communards sont très patriotes, hein, ne l'oublions jamais, ils ont été d'ardents défenseurs de Paris. Et une des causes de leur insurrection, c'est le refus absolu, alors pour eux absolu, de l'abandon de l'Alsace-Lorraine à la Prusse. C'est quelque chose qu'ils n'admettent absolument pas, que Thiers ait cédé l'Alsace-Lorraine au nouvel Empire allemand. Donc, ils sont extrêmement patriotes, ils sont internationalistes. Vous avez entendu l'appel de Courbet, c'est très compliqué cette mentalité à l'amitié entre la France et l'Allemagne, à l'amitié entre les peuples. Mais en même temps qu'ils sont internationalistes, ils sont extrêmement patriotes. Refuse cette capitulation, on cède l'Alsace. Et donc, je ne sais même plus où j'en étais dans tout ça, il y a une action culturelle qui est conduite. Je peux préciser l'exemple lorsque le musée du Jardin des Plantes est réouvert par la commune, le musée d'histoire naturelle. On ouvre les galeries. Et les galeries, la bibliothèque, etc., où il y avait déjà des choses très intéressantes qui étaient présentées au musée d'histoire naturelle. Et le conservateur avait commis l'erreur fatale pour lui de décider de n'ouvrir ce musée d'histoire naturelle et toutes les galeries qu'aux spécialistes. Alors, vaillant le temps, en lui disant que dans la commune, en commune, il n'est pas question... que
un musée soit réservé à des spécialistes, que tout doit être ouvert au peuple. Hein? Moi, je voudrais poser une question aussi, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit, oui. Oui, je peux? Oui, bien sûr. Oui, merci monsieur, c'était passionnant. Et je voulais vous demander, est-ce que vous savez si Rosa Bonheur était communarde? J'ai lu ça il y a quelques... Une fois, je l'ai jamais... J'ai jamais pu retrouver cette information. Je ne crois pas, non. Moi, je n'ai jamais vu, malheureusement, Rosa Bonheur participer. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait été vraiment à Paris à ce moment-là. Je n'ai pas vérifié. Mais certains de ses élèves qui avaient travaillé avec elle ont été communards. Ah bon, d'accord. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Est-ce que je peux intervenir, Martine Chevillard? Oui. Oui, on m'entend, d'accord. Et vous savez, dans les assemblées communardes, d'ailleurs, ils prenaient la parole, hein, je ne suis pas sûre. Oui. Malheureusement, on n'est plus dans cette atmosphère fébrile. Voilà, moi je suis de Besançon et j'ai été particulièrement émue par les mentions que vous avez faites sur Courbet, sur Dalou. Et je vous invite, maintenant que les musées sont réouverts, à venir visiter notre très beau musée de Besançon, dans lequel la moitié d'une très grande salle est consacrée aux œuvres de Courbet, de Dalou en particulier. Mais je voulais plutôt faire une information sur un autre artiste sur lequel j'ai dû travailler pour l'Université ouverte et qui s'appelle Auguste Lançon. Est-ce que vous en avez... Vous le connaissez? Voilà, oui, parce qu'il se trouve que je suis à Saint-Claude et il est né à Saint-Claude et il a fait partie de la Fédération des artistes et il était copain avec Courbet, et c'est quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup mis en valeur parce que ce n'était pas un tempérament, je crois, à être devant, mais n'empêche que c'est quand même quelqu'un de province, du Jura, de Saint-Claude en particulier, la capitale du socialisme au début du XXe, et qui a une œuvre très importante. Et en 2018, je crois, le musée de Nuit-Saint-Georges a fait une superbe exposition sur toute son œuvre, qui est très diverse et qui mérite vraiment d'être connue. Et si vous venez à Besançon, il faut aller jusqu'à Saint-Claude, on peut visiter, et je l'ai fait, dans une maison privée, son atelier. Alors c'est vraiment émouvant parce que effectivement après la Commune, il a eu une période de retour en province pour se mettre un peu au vert, et on peut visiter en demandant au propriétaire de la maison l'atelier d'un peintre sculpteur communard. C'est quand même quelque chose, voilà, d'émouvant. Et pour vous les Parisiens, il a une rue, alors c'est le 13e ou le 14e, je ne sais plus, je crois que c'est le 14e arrondissement, une très grande rue qui mesure 400 mètres de long. Donc voilà, il a été quand même honoré par la ville de Paris. Voilà, je voulais faire ce petit signe symbolique de la province à vous, les gens de Paris. Je suis très content, merci. Nous encore. Avons plusieurs provinciaux qui nous suivent aujourd'hui. Et c'est très bien que justement nous soyons dans l'esprit de cette fédération qui voulait associer Paris et l'ensemble de Paris et même au-delà à une république universelle. Oui, alors vous avez raison sur Auguste Lançon, hein, grand peintre, grand dessinateur dans les journaux aussi. Hein, ouais, vraiment, c'est une source magnifique sur la vie quotidienne, avec tout ce qu'il a pu faire dans les journaux. Hein. Oui, et puis, on voit au Petit Palais, je crois qu'il y a des tableaux d'Auguste Lançon. Hein. Alors, malheureusement, ils sont peut-être à la réserve, je ne sais pas. Non, pas au Petit Palais, pardon, à Carnavalet. Carnavalet, oui. À Carnavalet, il y a des tableaux alors, que j'avais vus au moins dans la réserve lorsque j'avais préparé une exposition pour la ville de Paris. Et... je ne sais pas s'ils auront l'honneur de ressortir là dans la nouvelle géographie du musée qui va sortir. Mais c'est un grand nom de l'art. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, trop oublié. Voilà, merci. Alors, on avait une question de Xavier Lemaître qui demande si la Commune n'a-t-elle pas contribué
à fédérer artisans, artistes et écrivains? Alors, ça aurait peut-être été un rêve, mais je déjà, alors il faudrait faire un exposé, mais ce n'est pas complètement ma spécialité. Je suis généraliste sur la commune, mais les écrivains, et j'aime bien les artistes, malheureusement, les écrivains ont été beaucoup moins communards, il faut clairement le dire, que les artistes plasticiens ou les artistes du spectacle. Hein. Donc on a beaucoup de textes côté cité. Je vous renvoie au livre de M. Paul Lidsky, L-I-D-S-K-Y, qui même s'appelle, a titré son livre, Les écrivains contre la commune. C'est pour vous dire que avoir titré Les écrivains contre la commune, ça veut dire, bon, alors vraiment, on a des textes d'écrivains qui sont d'une violence. Mais il y a quand même eu des écrivains favorables à la commune et j'en citerai essentiellement trois. Un qui est connu surtout d'ailleurs par cet aspect politique et social, c'est Jules Vallès, dont vous connaissez bien sûr la trilogie très célèbre, hein, une se situe partiellement pendant la commune. Et donc Jules Vallès a été élu à la commune par le 15e arrondissement. Il n'y a pas d'ailleurs beaucoup été, mais il y avait travaillé un peu avant la commune. C'est pour ça qu'il s'est trouvé élu par le 15e arrondissement. Mais sa grande fonction, c'est une fonction de journaliste, hein, avec l'édition du principal journal de la commune qui s'appelle Le Cri du Peuple, et qui est un journal très intéressant. Donc, il y a Jules Vallès, l'enfant, etc. Et puis, il y a aussi, alors, plus connu d'ailleurs, en fait, que Jules Vallès, même s'il est reconnu maintenant, il n'est pas toujours considéré comme un immense écrivain. Peut-être les deux plus grands poètes français du 19e siècle sont partisans de la commune, et même très partisans, c'est Verlaine et Rimbaud. Rimbaud, oui. Excusez-moi, madame, ce serait gentil de couper votre son, parce qu'après vous faites un dialogue et peut-être que ça perturbe les gens. Mais voilà, donc Verlaine et Rimbaud. Alors Verlaine, avant de devenir plus tard une sorte d'anarchiste chrétien, hein, quand il est devenu catholique quelques années après la Commune, Verlaine, pendant la Commune, joue un rôle relativement important. Il est responsable du service de presse de la Commune. Donc c'est lui qui, en quelque sorte, fait ce travail de classement des journaux que la Commune reçoit d'un peu partout et qu'il met à la disposition des élus. Donc c'est un rôle quand même assez important qui lui vaudra des ennuis. On sait qu'il part quelques mois après la Commune, il quitte Paris avec, c'est très romanesque évidemment, avec Rimbaud qui est son nouvel amant, puisque y a un amour fou qui se développe entre, mais qui est aussi poétique, hein, entre Rimbaud et Verlaine quelques mois après la Commune. Donc, leur départ à Verlaine et Rimbaud, c'était aussi une fuite de Verlaine, parce que, en fait, nous savons maintenant que Verlaine était recherché par la police. Nous avons découvert les archives, et simplement, quand vous travaillez sur les archives de 1871, vous avez un mal de chien à les lire, parce que l'écriture était extrêmement difficile à lire, il n'y a rien de tapé à la machine encore dans les rapports de police, tout est à la main, et vous avez donc, ils ont mal orthographié. Donc il a eu la chance qu'on l'a recherché sous un nom qui n'était pas le bon. Mais il était donc recherché par la police, Verlaine, pour cette responsabilité. On appelait ça une usurpation de fonction. On pouvait être condamné pour usurpation de fonction lorsqu'on avait travailler pour la commune, même pas de façon engagée à la garde nationale ou directement politique, mais on était recherché pour usurpation de fonction. Et donc, la fuite avec Rimbaud, c'est aussi ce côté. Et il n'a jamais, d'ailleurs, dans ses souvenirs, renié
son admiration pour la commune, hein, même après devenant un croyant catholique, mais un catholique pas très pratiquant à vrai dire, mais assez fervent. Il n'a jamais renié, au contraire, il a toujours dit que c'était une tentative qu'il avait soutenue et qu'il continuait de soutenir. Et puis le deuxième, bien sûr, c'est Rimbaud, peut-être le plus grand poète du 19e siècle, en tout cas avec les deux, c'est quand même deux très très grands noms de la poésie qui se sont ralliés. Rimbaud, qui n'est probablement pas venu à Paris, il était trop jeune, il y a des gens qui ont dit qu'il était passé à Paris, mais ça paraît très peu probable malgré tout. Il était tout jeune, ce n'est pas évident de s'en aller comme ça, mais en tout cas qui est venu à Paris tout de suite après la Commune, qui a écrit d'ailleurs une poésie magnifique qui s'appelle « Les mains de Jeanne-Marie rendant hommage aux communardes », un magnifique poème que je vous conseille de rechercher sur Internet. Ce Rimbaud a une admiration très grande pour la Commune et certainement une partie... En partie, son abandon de la poésie tient en partie peut-être à cet échec politique, en même temps, cette volonté de partir ailleurs, de quitter la France, d'aller loin de tout, n'est pas sans lien avec ce sentiment d'un échec dramatique qu'a été la Commune. Donc, mais si on accepte ces trois noms, il faut bien dire que la alors je prendrai un exemple le plus important, évidemment, c'est Victor Hugo. Parce que quel est l'écrivain le plus important, là, évidemment, du 19e siècle, et en plus à cette période, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, en gros, il est d'accord avec les idées de république démocratique et sociale de la Commune. À peu près tout ce que fait la Commune en termes de l'école, la séparation de l'Église et de l'État, hein, qui est le premier grand décret de la Commune, c'est la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité des écoles, les écoles gratuites, et l'action sociale de la Commune, tout ça, ce sont des idées que partage pleinement Victor Hugo. Et bien sûr, la République, parce que la Commune, c'est aussi une insurrection républicaine et patriotique. Et donc tout ça, complètement, Victor Hugo se retrouve dedans. D'ailleurs, le jour même du 18 mars, hein, on sait qu'il il rendait un hommage, un cortège funèbre à traverser Paris, qui était Charles Hugo, qui était mort, et c'était Victor Hugo qui conduisait le cortège, et ce jour du 18 mars, toutes les barricades s'ouvraient devant ce cortège funèbre conduit par Victor Hugo, et tout le peuple criait « Vive Hugo, vive Hugo !» C'était extraordinairement émouvant. Mais Victor Hugo n'approuve pas la Commune pour une raison fondamentale, enfin, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est qu'il trouve que faire une insurrection, alors que les Prussiens sont encore aux portes de Paris, les Prussiens sont encore effectivement en 1871, occupent encore une partie du territoire, et ils sont même aux portes de Paris. Tout le nord et l'est de Paris, au nord des fortifications de Paris, et l'est, tout ce qui va de Saint-Ouen à Charenton, est encore occupé par les Prussiens. Par contre, le sud et l'ouest appartient à Versailles. Hein, et le front, la guerre civile se déroule au sud et à l'ouest de Paris. Et donc, Victor Hugo pense que faire une insurrection alors que les Prussiens sont là, ça pourrait affaiblir la patrie. Et il dit que, et donc en quelque sorte, il reste neutre devant cette insurrection. Voilà. Ça ne l'empêchera pas après, il va habiter à Bruxelles, d'accueillir des communards en exil, très nombreux chez lui, et d'être un des grands moteurs dans les années 1870 jusqu'à 1880, de l'amnistie des communards. Et c'est grâce à Victor Hugo que les communards ont pu revenir de prison ou de déportation ou d'exil. Donc, voilà, la fraternité entre les artistes plasticiens et le peuple, les classes populaires étaient assez faciles, sauf pour ceux que j'évoquais tout à l'heure, hein, étaient assez dans
dans leur habitat, dans, leur, dans ce qu'ils avaient vécu souvent pendant le siège, etc. Pour les écrivains, la chose est plus... Est-ce que Marc, on va désactiver le son. Ajouter quelque chose sur Victor Hugo. Oui, monsieur. Je suis belge, vous le reconnaissez à mon accent. Victor Hugo a été expulsé de Belgique. Oui. Et où il était en exil depuis pas mal d'années, suite à son soutien aux communards. Et il est revenu donc à Paris, puisque c'était la République. Et je pense qu'il y a eu des élections après la Commune. Et malheureusement, il n'a pas été réélu justement à cause de sa position un peu ambiguë à l'égard de la Commune. J'espère que mes informations ne sont pas fausses. Pas du tout. Mais la République l'a nommé sénateur inamovible après. Quand la République a été vraiment installée, elle l'a nommé sénateur inamovible. Il a cette compensation. Jean-Louis, est-ce que je pourrais profiter de cette intervention pour poser une petite question très rapide sur le volet international? Quelles ont été les répercussions de la Commune de Paris? Est-ce qu'il y a eu des témoins, des grands témoins qui sont venus qui ont eu le temps de venir de l'étranger et qui ont participé et qui ont témoigné en quelques mots? Et sinon, super conférence. Super conférence. Merci. Alors, je dirais que je m'excuse, monsieur. Hermano Sanchez, adjoint à la maire de Paris, la maire du 14e. Par rapport à ça, donc que c'est pas facile du tout de venir à Paris pendant la Commune. Tout simplement, c'est fermé. Donc, ceux qui étaient là. Avant, un certain nombre se sont partis parce que bon, il y avait eu la difficulté du siège. Il y avait, mais on a quand même beaucoup de témoignages d'étrangers qui ont écrit des souvenirs de ce qu'ils avaient vécu à Paris, qui nous servent beaucoup, hein, de témoignages d'étrangers qui racontent comment ils ont vu les événements. On a aussi beaucoup, alors la presse par contre, il y avait beaucoup de journalistes présents, des journaux du monde entier qui étaient présents à Paris, parce que Paris était une des capitales du monde, et il y avait toujours eu des correspondants des grands journaux parisiens. Et on a, par exemple, les journaux anglais sont d'une richesse en informations sur la Commune qui est extrêmement impressionnante, hein. Ils suivent les événements, ça fait la première page des journaux anglais dans la Commune de Paris. Ça fait la première. Là, il y a un travail que je vous conseille d'un livre d'un historien qui s'appelle Quentin de Luermos, qui a sorti un livre sur la Commune récemment, où il étudie justement les répercussions internationales de la Commune, en montrant qu'effectivement elle est vraiment suivi, il a regardé pas mal de pays, jusqu'à la Roumanie, jusqu'en Amérique du Sud. Elle est vraiment suivie extraordinairement. C'est parce que c'est en grande partie parce que c'est la capitale et que c'est c'est la deuxième ville du monde, hein, après Londres à cette époque-là. Donc bien sûr, tout ce qui se fait là compte. Donc on a un écho. Après, il y a l'écho que la Première internationale tente de donner. Donc Marx organise à Londres des grands meetings de soutien à la Commune de Paris, et il va publier sa célèbre guerre civile en France sur la Commune de Paris, qui est un travail sur lequel il faut bien sûr discuter, mais qui a un grand intérêt. Donc on a eu un écho beaucoup plus grand qu'on ne le pensait à l'époque. Maintenant, on voit un écho extrêmement important dans la Commune de Paris, déjà en 1860, avant qu'elle devienne, alors qu'elle finisse par appartenir au patrimoine mondial de l'internationalisme ouvrier, hein, ce qui va lui donner un sens. Mais voilà, on a
On a une grande richesse de ça. Et on a aussi une participation des étrangers à la commune, qui est aussi quelque chose de très notoire. On a beaucoup écrit récemment sur la participation des femmes, et c'est tout à fait normal, mais on a aussi comme à noter ce phénomène d'une participation des étrangers à la commune, le rôle, et là on a inauguré d'ailleurs une rue dans le 13e arrondissement, le rôle de Léo Frankel, qui est en quelque sorte le ministre du travail de la commune, c'est un ouvrier hongrois, hein, qui joue un rôle absolument considérable dans toute l'activité sociale, économique que la commune lance. Et on pense aussi au rôle très important qu'ont joué les Polonais. Hein. Il y avait une forte immigration polonaise en France. C'était une immigration très politique à la suite des insurrections de 1863. Qui avait été un drame, et beaucoup de ces insurgés polonais vont prendre des responsabilités considérables. Hein. Deux des plus importants généraux de la commune, puisque la commune, c'est finalement une armée, c'est 100 000 hommes de la garde nationale, deux de ces généraux, Dąbrowski et Wrublewski, sont polonais. C'est tout à fait exceptionnel. Il y a également une participation très considérable des Belges, parce que les Belges sont à l'époque la principale immigration à Paris. Hein, c'est la principale colonie étrangère, ce sont les Belges. Donc, il y a la création d'une légion fédérale belge qui combat dans la commune. Donc, on a déjà une forme de... Et une des premières décisions de la commune, d'ailleurs, c'est d'accepter dans ses rangs ce Léo Frankel qui avait été élu par le 13e arrondissement, et de décider que au principe de la République universelle, tout citoyen, tout habitant de la ville est citoyen et peut donc être élu à la commune de Paris. Donc c'est une sorte de reconnaissance du droit à l'élection d'un étranger à des fonctions municipales qui est établie par la commune, qui n'est pas encore entièrement reconnue de nos jours. Je peux ? Oui, bien sûr. Je fais la présidence, oui. Vous savez. Il y a tout ce côté internationaliste, mais est-ce que la commune, ça a donné des idées à d'autres peuples dans d'autres pays ? Moi, je pensais un peu 1968, d'un coup, ça a donné des idées dans plein de pays, même jusqu'au Mexique, où il y a eu des tentatives. Sur la commune, par exemple, les républicains espagnols, est-ce qu'ils se sont inspirés de la commune ou des choses comme ça ? Est-ce que ça a donné des idées, même plus tard, à d'autres peuples en Europe ? Alors, il faut voir que... Oui, il y a eu, par exemple, on sait qu'il y a eu une influence en Espagne hein, après 1871, et certains des communards, puisqu'il y a toute une partie qui ont échappé à la déportation ou à l'exécution, certains des communards se sont, le nom ne me revient pas, mais se sont réfugiés en Espagne, ont participé à... il y a une grande diversité dans l'héritage idéologique hein, de la commune. Hein, il y a des marxistes après, des socialistes révolutionnaires, mais alors là, on voit beaucoup une influence dans ce très important courant anarchiste espagnol, qui était extrêmement important, et on voit des communards qui vont jouer un rôle dans les années 1870, dans l'organisation, particulièrement en Catalogne, du mouvement anarchiste. Hein. Donc ça, c'est très sensible. Ce que je dirais, c'est que il faut voir quand même un peu le phénomène inverse. Et après, on a une influence dans l'international. Hein. On sait l'épisode célèbre de Lénine. Alors, après la révolution d'octobre 17, arrivé au 71e jour de la révolution, ou au 72e jour, tout le monde raconte qu'il a dansé en disant
j'ai dépassé la Commune de Paris. J'ai tenu un jour de plus que la Commune. Voilà, donc cet épisode quand même semble attester et montre à quel point, y compris un type comme Lénine, donc là, dans le courant marxiste-léniniste, disons, aussi se revendiquait de la Commune. Donc l'héritage est très, très divers. N'oublions pas quand même une chose, c'est qu'il y a aussi tout un héritage qui est présent, qui n'est pas trop évoqué, mais que l'on lit au travers de certains textes, qui est l'idée que le jeu n'en valait pas la chandelle, que donc maintenant il faut des élections, et que c'est par des élections que le mouvement socialiste doit progresser, plus par des insurrections. Que 20 000 morts écrasés, un écrasement pareil, c'est voilà, le temps des insurrections, et ça joue. Ce fut très dur. Ce fut très dur. Et donc, il y a tout. Donc, quand vous lisez les textes du socialisme français à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et vous trouvez cette idée présente aussi. Que maintenant, il faut alors que nous soyons plus organisés. Hein, donc là, l'idée du parti va être très, très fortement développée aussi. Mais aussi, eh bien, il faudra conquérir le pouvoir plus progressivement par la voie des réformes et des élections. Donc, il y a aussi cette analyse qui a été faite. Hein, elle est sous-jacente dans l'histoire du socialisme français que Jean Jaurès dirige avant 1914. Dubreuil, qui réalise les pages de la Commune sur l'histoire de la Commune de Paris, qui était un des dirigeants du Parti socialiste avant 1914, si vous lisez son histoire de la Commune de Paris, qui est très intéressante, qui rend un hommage à la Commune, mais on voit d'une façon sous-jacente l'idée que maintenant, le socialisme organisé, qu'il est en train de progresser d'élection en élection, et que voilà, c'est la nouvelle voie qu'il convient de suivre. Donc, les héritages sont très divers, et alors, comme ça m'amuse, des fois, je vais à des inaugurations d'un collège Louis-Michel, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais président des Amis de la Commune, et je me donnais le plaisir de dire au maire présent, vous savez, à Louise Michel, hein, elle appelait à ne pas voter, hein, à partir de 1880, en disant s'il y a quelque chose de parfaitement inutile, c'est le vote. Vous voyez comment l'héritage a été extrêmement diversifié de la Commune. Hein. Personne ne peut prétendre à avoir un monopole de l'héritage de la Commune, mais en même temps, et c'est ça qui est totalement fascinant, c'est que cette expérience résonne tellement encore de nos jours par tout ce qu'elle a pu faire et apporter, qu'elle rentre en pleine vie, qu'elle n'est pas morte, la Commune. Je voudrais ajouter quelque chose au sujet de Barcelone. Oui. En 1936, donc juste après le 19 juillet 1936, le lendemain du putsch de Franco, les anarchistes et les ouvriers, il n'y a pas eu seulement ont pris le pouvoir à Barcelone et ont fondé une sorte de commune équivalente à celle de Paris. Mais ici, ce n'est pas une insurrection, c'est au contraire défendre le régime légal qui était la République à l'époque. Donc il y a un peu un paradoxe. Et ce qui est le plus épouvantable, c'est que cette commune a été détruite par les staliniens. Je viens d'ailleurs de terminer un ouvrage à ce sujet que j'espère avoir publié, que j'intitule « L'imposture de Barcelone ». Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a des tas de contradictions. Oui, d'ailleurs, la première montée au mur des fédérés, il arrivait que les marxistes et les anarchistes se battent
Mais je pense que demain, il y aura la montée au mur. Non, après-demain, la montée au mur des fédérés. Je serai là. À Paris. Je serai présent. Avec un appel d'associations et de partis qui se refédèrent sur ce sujet. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être ? Non. On aura tenu les 2 heures. Lucas, juste une petite précision. La cérémonie devant le monument, c'est dimanche, je crois, dimanche matin. Alors, non, il y a la montée au mur des fédérés. Ah, la montée au mur, d'accord. Samedi 29. D'accord. Et pour ceux de la rive gauche, qui sont de Paris, il y aura le 30 mai un rendez-vous à 10h30 au coin de la rue Laguerre et de l'avenue du Général Leclerc pour aller au cimetière Montparnasse. Où voilà, il y a également un monument au fédérés. Ce sera dimanche 30 mai. Mais samedi 29 mai, ce sera la montée au mur des fédérés. Oui, le rendez-vous a lieu à 14h, place de la République. Voilà. Voilà. Où ça, place de la République, s'il vous plaît? Je crois qu'il y aura des stands dès le matin qui seront installés par toutes les associations, syndicats, etc., qui appellent. Vous irez avec qui vous voudrez. D'accord. Puis, okay. À partir de 10h jusqu'à 13h, il y aura une animation sur la place de la République. Et on va après au Père-Lachaise, alors? À partir de 14h, la manifestation remontera au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, voilà. Et ensuite, il y aura une déambulation dans le cimetière qui va être très encadrée parce qu'on attend beaucoup de monde et que le conservateur du cimetière a prévu un trajet très précis pour qu'on puisse. On rentrera par la rue des Rondeaux et on repartira par la sortie, par l'entrée, enfin par la porte sur le boulevard Ménilmontant. Voilà. Voilà. Alors donc, rendez-vous, place de la République, samedi à 14h. Ou avant, si vous voulez. Mais alors, je vous dirais plutôt 13h30 parce qu'il va y avoir une intervention et qu'on va démarrer le cortège à 14h. Donc, je dirais plutôt 13h30. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et 10h30 dimanche, croisement Daguerre, Général Leclerc, pour ceux de la rive gauche qui veulent venir avec nous. Voilà, voilà. Passionnant. Merci beaucoup, Jean-Louis Robert, pour ce passionnant exposé. Est-ce que on a envie de conclure? On s'arrête là? Oui, je pense que j'ai demain une conférence au Mans. Hier, j'avais une conférence au Petit Palais, donc j'en suis très heureux parce que je vois que la commune est demandée et très et que le 150e anniversaire a une répercussion très importante. Oui. La commune n'est pas morte. Non. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis, merci Françoise pour l'orgade. Ah bah oui, mais hein, c'est une solide, hein, notre camarade. Exactement. Eh bien, très belle fin de soirée à tout le monde. À tout le monde. À demain, Pierre. Merci beaucoup à tous. Il n'y a pas eu grand-chose à la télé. Au revoir, nos amis marseillais. Concernant la commune. Je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose à la télévision concernant la commune. Il y a eu le film de Raphaël Mé-